Bonjour à tous, moi c'est Margot. Et moi, c'est Adams. Adams a eu une idée innovante et va vous proposer aujourd'hui un projet qui va nous permettre à tous de réduire drastiquement notre consommation de prospectus papier et également de papier de manière générale. Donc on vous laisse regarder un petit peu les chiffres sur la consommation de papier et de prospectus en France. Adams, tu peux nous dire un peu plus comment cette idée t'est venue? Oui, Margot, en 2018, lorsque je vivais dans un appartement étudiant à Bordeaux, j'ai remarqué que la plupart des résidents qui recevaient des prospectus en papier les jetaient par terre ou dans les poubelles. Et après quelques temps, quand je me suis fait quelques amis français et quand j'allais chez eux, j'ai remarqué la même tendance. Alors, je me suis mis à résoudre ces problèmes de gaspillage de papier en France par une solution innovante et écologique. Bon, Margot va expliquer les détails sur ce projet. Alors, donc, Adams a eu l'idée de créer un site internet ainsi qu'une application mobile. Avec des QR codes qui pourront être placés dans différentes résidences pour permettre aux locataires de pouvoir bénéficier donc de prospectus, non pas papier, mais des prospectus numériques. Ok, merci Margot pour d'avoir expliqué du détail. Enfin, moi je viens d'un pays qui parle anglais. Mais avec de détermination et d'amour pour la langue française et la culture française, j'apprends de langue. Et je ne suis pas encore courant, mais j'arrive. Des langues. Oui, mais j'arrive. Et c'est la même détermination qui me poussait de poursuivre ce projet jusqu'au début. Et j'espère que vous serez de la partie. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le projet d'Adams. J'espère qu'il vous plaira et que vous voterez pour lui permettre de gagner ce concours et surtout permettre au monde d'être plus écologique.